Mais la soviétique Marina Lobatch est bien décidée à prouver que Panova n'est pas invincible. Lobatch, numéro 1 dans son pays, avait fini à la 4e place des championnats du monde, mais avait partagé la médaille d'or avec Panova au cerceau. Remarquable performance de la jeune soviétique qui bat de 5 centièmes Bianca Panova.